processing power for when it's time to go, brilliant. Frame rates that keep up with your reflexes, brilliant. Fast clock speeds for when you're on the clock, brilliant. It's what we do at Intel, powering you to master your potential. Will you rise? Intel, unleash your brilliance. You'd be a clown by now. No, I'm still standing.
faisait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats font garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il se mord du genre d'honneur auquel je note. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelles raisons bizarres, son image a marqué ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup. Sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Thank you.
So slashed and torn. Deuxième game entre Nigma et Chicken Fighter. Nous sommes déjà un tout petit peu avancés dans ce draft que je n'avais pas vu partir. Le first pick a été tout simplement un Mars, Phoenix Axe pour Chicken Fighter et Rubik juste derrière. On va ban probablement un Stunfire côté Chicken Fighter, même s'il y a déjà un Rubik. En sachant que la phase de ban n'a pas vraiment évolué de chaque côté, à part le Tusk qui est arrivé à la place de... Ember Spirit. Ember Spirit. Bien vu à la place d'Ember Spirit. On va battre Naga Siren du coup côté Enigma. Chicken Fighter, ils hésitent. Est-ce qu'on relaisse passer cette Snipefire ou pas? Bah ouais, là, on a vu les problèmes que leur ont posé cette Snipefire tout du long. Après, ce qu'ils se disent simplement qu'ils ont mal exécuté leur draft et du coup ils relaisseraient passer une Snipefire. Pourquoi pas, on en a parlé, on a vu que l'exécution de leur draft était plutôt mauvaise dans les teamfights. Donc, elle pourrait pas la battre. Donc, on n'a rien à foutre de cette Snapfire, visiblement. Parce qu'on la prend. Et non, on reprend Razor. Donc, on est confiant dans le draft. Non, mais c'est fait. Enfin, c'est fait pourrir au mid quand même, donc c'est un peu étrange. Ceci dit, Nime a toujours la possibilité de mettre ce Mars en offlane et d'aller choisir un autre pick. Et j'aime beaucoup le fait que, alors je sais pas si c'est Enigma du coup qui a re-choisi le first pick, mais je trouve vraiment que le first pick est extrêmement fort. Je l'ai dit pas mal de fois à chaque co-cast ou cast, mais le fait d'avoir un avantage de deux picks plutôt que le last pick, je trouve que c'est vraiment mieux, j'ai l'impression, à part si on a des cheese picks type Brood, Meepo, etc. qui peuvent passer. Mais je trouve que les équipes s'en servent beaucoup mieux et du coup vont plutôt aller chercher... D'avoir le first pick. Ouais, je trouve ça beaucoup plus fort que le second pick. Moi je trouve le second pick, mais genre largement plus fort. Pas forcément pour avoir le last pick, mais pour avoir surtout le duo, les deux picks enchaînés. Que je trouve vraiment beaucoup plus intéressant. Ouais, mais tu vois, Enigma par exemple en pick 8 et 9, enfin pas 8 et 9, mais 12 et 18 en gros, ils vont avoir deux picks pour répondre aux deux corps de Chicken Fighters. Alors que Chicken Fighters va avoir un pick pour répondre aux deux picks d'Enigma. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment très, très fort. C'est qu'il y a deux picks du côté Enigma qui vont pouvoir aller counter, entre guillemets, Chicken Fighters, mais surtout asseoir leur draft. Et du coup, Chicken Fighters va avoir un seul pick pour pouvoir répondre à ça. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que un bon draft n'est pas un draft qui répond à l'autre, mais un draft qui domine le draft. Donc pour moi, t'as pas besoin d'avoir les drafts d'après. T'as besoin d'être de toute façon d'avoir un meilleur draft et donc d'être devant et donc, tu vois, moi ça me choque pas et c'est pas avec Sniper que tu réponds à Razor. Non mais ouais, pourquoi pas, je suis d'accord avec toi et je trouve justement que ce first pick te permet mieux de jouer ton draft que le second pick.
Alors c'est peut-être incompréhensible ce que je dis, hein, parce que je m'exprime comme quelqu'un qui... Bah du coup, ce que je comprends pas, c'est que tu dis que ça permet de mieux mener, mais en même temps, t'es là pour répondre, tu vois. Bah en fait, oui et non, tu peux aller répondre par deux picks au corps de Chicken Fighters, mais parce que de toute façon, quand tu drafts aussi, tu vas avoir ton idée de plan de jeu, c'est sûr, mais tu vas quand même aussi t'adapter si le draft d'en face te counterpick. Tu vois, par exemple, si le mec first pick Snapfire, bon, c'est peut-être pas sûr que tu vas aller chercher ton Phoenix ensuite en pick 12 ou 18. Et du coup, le fait d'avoir deux picks de corps sur lesquels Chicken Fighters ne peuvent pas te counter pick, entre guillemets, enfin peuvent, mais du coup plutôt via le last pick, ça te permet de quand même conforter deux gros picks de ton draft. C'est une vision. Ouais. Mais je comprends, mais je pense que... Enfin, ouais, je comprends. Ça dépend beaucoup en fait où sont tes assets dans ta game et qui t'as envie de protéger. Je pense que le last pick est forcément beaucoup plus fort si t'as envie de protéger ton mid ou ton corps et que tu fais une strat 4+1, typiquement. Et effectivement, si tu fais une strat un peu massive, le first pick est forcément ultra intéressante. Sniper et Bounty Hunter côté Enigma. Très très étonnant, ces deux drafts là, Sniper et Bounty Hunter. Alors Sniper assez intéressant contre le Phoenix. Le Razor ou la Winter Wyvern, clairement, un peu moins contre le Axe s'il se fait attraper, mais bon, là, c'est à lui de bien se placer. Bounty Hunter, beaucoup plus étonnant. Ah, c'est un BHP 5. Moi, j'aurais dit c'est un BHP 4, mais en tout cas, support, effectivement. Mais j'aurais dit plutôt dans les mains de GH. Ouais, mais je pense que t'as envie de mettre le Rubik GH, quoi. Ah, ouais, non, pas forcément, je trouve. Non ? Ok. Ouais, surtout que t'as vraiment pas grand chose d'intéressant à voler. Ah, t'as Leg, t'as Leg et l'Ulti Weaver qui sont très intéressants. Alors, honnêtement, Leg à voler, mon gars, faut y aller. Ah, faut y aller. C'est quand même pas évident du tout. L'Ulti Winter Weaver, très très bien à voler par contre. Mais c'est à peu près tout, quoi. Tu vois, t'as quand même pas des super super sorts à voler pour Rubik. Donc, pour moi, actuellement, je vois plus un Rubik P5 que P4. Bref, je suis d'accord avec toi, mais du fait que ce soit Enigma qui le joue, on sait que Kuroki il aime bien aller un peu dans l'exotisme des fois de ses héros invis P5, et je crois qu'il l'a déjà fait. Bounty P5, c'était pas incroyable. Bon, à voir s'il va nous refaire la même chose. Par contre, je suis assez content de voir un sniper, ça fait un petit moment, je trouve qu'on n'a pas... Bon, on en a vu quelques-uns, notamment sur Noen, qui faisait son build Necronomicon pour aller jouer contre une DP. Je trouve que c'est pas mal contre Razor. À mon avis, il va le défoncer au mid avec son sniper. Ce qu'il en fait. Il y a forcément une raison à ce bounty en fait, c'est ça que je trouve bizarre. J'avoue que je ne vois pas spécialement. Bah, je pense qu'en fait, c'est juste un move speed pour sortir du Phoenix et de la Major Ivern. Je pense que Sniper Bounty, c'est assez insane du coup de donner la vision via la track à ton sniper qui va aller chercher toutes les fins de kill, qui va également avoir une range très très longue pour aller taper les adversaires. Il aura juste besoin de la vision fournie par la track, mais c'est vrai qu'après, après ça, je vois pas trop. Alors, tu vois, le combo, je le trouve pas ouf parce que de toute façon, PL. Ah, c'est marrant, putain. Avec mon pigeon de Chicken Fighter qui voulait probablement prendre le PL et qui va se le faire voler et qui voulait faire le même drive. Alors, le truc, c'est que. Enfin, oui, c'est sympa pour donner la vision, mais je trouve que Sniper est pas. De toute façon, il aura la vision, entre guillemets. Vu le fight de Chicken Fighter, tu vois, c'est pas. Oui, je c'est pense pas, que c'est je... pas dégueu, hein, mais. En fait, c'est pas mal en montée de high ground, mais. Ouais, puis. Ouais, son ulti est intéressante pour aller finir les kills. Ouais, c'est pas mal ça. Pour les track kills, mais bon. Ok, à voir. Ils ont ban Alche Enigma, je pense que leurs bans sont très très bons côté Enigma. Et du coup, bah, Chicken Fighters, comment ils répondent à ce PL là? Bah, du coup, c'est ce que tu veux mettre ton Razor Carry pour aller jouer contre Mars. On a vu que c'était vraiment pas ouf déjà sur la mid lane. Alors, allez. Ça veut dire quand même que tu prends un Sven. Est-ce que tu prends un Sven? C'est pas dégueu, Sven. C'est pas dégueu du tout. Tu manques peut-être un peu de dégâts en début de partie. Enfin, quoique, t'as le Axe. Non, c'est pas dégueu, Sven. Et c'est le Meepo. C'est eux qui vont prendre Meepo. Ok. Ok. Alors, ça sauve beaucoup d'un Mars, je trouve.
mais après ça reste pas mal. Ça souffre un peu d'un PL en late game parce que ça a du mal à trouver le vrai, mais sinon, si ça chope le PL et que bah, ça l'attrape en permanence, c'est... tu peux pas sauter avec ton PL quoi. Donc. Ouais. Oh putain, c'est un sniper P5. Sniper P5, ok. Et donc c'est un Bounty P3. Sniper P5 de Kuroki, ok. Aïe aïe aïe. Bon, Arcos là, qu'est-ce que t'as? On a le droit de pas être d'accord avec. C'est ça qui rend le cast intéressant, c'est de débattre. C'est incroyable! Pourquoi t'es énervé comme ça? Ah, mais t'as tout à fait raison, Lulu. Je pense qu'effectivement, oui, complètement. Ouais. Alors, le sniper P5, bordel. Ouais, je pense que. Surtout, tu vois, il le prend. Enfin, le sniper, il arrive pas parce qu'il y a un mi-pot, tu vois. Parce que, tu sais, de temps en temps, tu fais une rotation en mode ah, ok, bah là, ils viennent de nous contrer totalement. On va mettre ce héros-là en support et machin. Là, je pense que c'était prévu de la part de Kuroki. Et j'avoue que. J'ai du mal à voir le. Alors, le shrapnel reste très très fort en support parce que t'as beaucoup de dégâts gratos. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup de mal à voir comment il va faire fonctionner avec ça et je suis ultra curieux en vrai. Ouais, c'est clair. Après, il va bien emmerder le Hex sur la lane s'il est une contre lui. Mais si le Hex veut les creep skip, il va pas pouvoir faire grand chose en réalité. Mais ouais, c'est ça, t'as zéro dégâts. Comment il empêche le Hex de. Enfin, si, petit à petit, avec, au bout d'un moment, avec son cure-dent, pourquoi pas, mais. Bah, j'aurais bien aimé que le Bounty lane contre Axe pour aller l'embêter justement. Mais ouais, tu trouves? Ouais, c'est peut-être un... bah, c'est mieux que Sniper quoi, j'ai l'impression. Ou c'est moins pire on va dire plutôt. Prepare for battle. Tu souffres pas mal quand même avec ton Bounty parce que tu prends le dot et tu peux pas aller au corps à corps tu vois. Sinon tu te fais trop tourner la gueule, je sais pas. Ouais. Ouais, je suis d'accord, je pense qu'ils n'ont pas grand chose pour gérer un Axe qui va creep skip quand même. Quel numéro? 3. 3, eh ben c'est le 3. Jouer, enregistrer et partager sans limite avec un PC gamer équipé du processeur Intel Core i9. Donc, pour le moment, est-ce qu'on a des surprises? Charlie va être en bas avec son Razor. Donc, c'est un Razor P1 aussi, du coup. On n'a pas trop. On est ouais. Resté beaucoup sur ce sniper P5. Mais c'est un sniper P1. Un Razor P1, pardon. Avec un Mipo mid. Et bah, du coup, en offlane. Évidemment, le Hex de Cyberlight. Et du côté Nigma, pour le moment, les deux supports de Nigma sont en bas. Mind Control évidemment en bas avec son Bounty Hunter, We Are Mid avec son Mars et Carry Miracle. Ouais, du coup Miracle il va lane contre Phoenix. Après ça va parce que c'est pas mal de dots qui peut se dispel via son Doppelganger. Donc, oh, bon bah voilà. First niveau Doppelganger, comme on a vu tout à l'heure pour Charlie. Et Kuroki il a call Brown Boots into a game hein, sur son sniper. Est-ce que tu as déjà vu, Lulu, le nouvel Aghanim Sniper du coup? Oh, est-ce qu'on peut récupérer Charlie avec ses shrapnels là au bot? Oh, ils vont le tuer? MDR. First blood, bad, attack. Alors, j'ai jamais vu le nouvel Aghanim Sniper, mais. Alors, c'est aussi sur son ult, et du coup, ça fait que ton ult part plus vite. Et j'ai joué l'autre jour contre, et ça te fait un stun qui est assez long, ça dure. Presque 2 secondes, 1.8 secondes, voilà. C'est pas ouf, ouais. Mais c'est ouais. Un peu chiant. C'est un peu nul, mais... Je sais pas si ça réduit le CD, non. Non, ça réduit pas le CD, je trouve ça un peu nul. Bah surtout si tu fais Brown Boots et tout Aghanim sur un P5, ça va être loin à sortir, quoi. Bah, bon. Non, un sniper ça farm avec Shrapnel, heureusement, tu vois, c'est un des rares... Pour le coup, c'est un support qui a du farm avec Shrapnel. Tu penses que dans sa team il faut lui laisser de l'espace à Kuroki pour aller farmer là? Bah tu mets Shrapnel sur des creeps des bois qui sont pas pris ou sur une ligne qui est pas prise et puis c'est après, parti, c'est hein. Vrai que, ouais. Après c'est vrai qu'il peut aller remonter tranquillement des lanes avec ses Shrapnel, ça peut être le pas mal. Le problème des supports c'est les supports surtout qui peuvent pas remonter les lignes et qui peuvent pas farm, là c'est plus compliqué, tu vois, Spirit Breaker ou des trucs comme ça ou... C'est un peu plus chiant, là il met un Shrapnel, il se casse et puis il a la vague de creep quoi. Et du bon, coup Oh, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais dire que du coup, on a un Cyberlight qui va pas du tout derrière la vague de creep cette fois. Ouais. Qui décide de rester
de rester devant et d'emmerder un peu Miracle. Autant je trouve que mettre la... Oh, il est peut-être un peu en danger ce Neko là. Il y a Mind Control qui l'a trouvé, Kuroki qui est là avec un Shrapnel. Il va pas mettre le deuxième Shrapnel, c'est le deuxième Shrapnel qui va arriver maintenant. Et ce Neko qui va probablement mourir sur la dernière attaque de Kuroki. Ça se lève et c'est bon. Le Jinada qui va revenir pile à temps pour Bounty Hunter. Mais tu sais que c'est terrible, mais je trouve ça insane, Bounty Sniper, du coup, pour aller jouer très très aggro comme ça avec les Shrapnel et le Jinada. Super intéressant. Bah, franchement, c'est en termes de slow, etc., et c'est tout ce que tu veux qu'un Bounty pour aller mettre des gros coups de Jinada, c'est pas mal. Hein. Après, à voir ce que ça donne plus mal plus tard dans la game, mais en tout cas, pour la phase de lane, c'est ok quoi. Ouais, enfin, c'est ok si son écho est placé n'importe comment, tu vois. Sur la lane, est-ce que vraiment. Enfin, si tu te retournes, c'est un écho, mais regarde-le aussi. Forcément que c'est bien, le mec fait n'importe quoi. Alors, il a volé pas mal de dégâts et il va le mettre mi-HP. Alors je pense pas qu'il puisse le tuer, mais même Kuroki va prendre très cher. Et normalement, si Soneko reste sur la ligne, bon bah. Ils peuvent pas lui faire grand chose. Bon, et au mid, Meepo contre Mars. Meepo il ferme très bien. Faut faire attention. Au moment où il a son deuxième Meepo, potentiellement, on va dire que Mars peut prendre pas mal de poke. Ouais, du coup, Ouya étant un gros joueur de Mars, j'ai hâte de voir comment il s'en sort contre ce Meepo plus tard dans la game, ce qu'il décide de faire pour jouer contre lui. Là, on voit qu'au mid, là, il s'en sort bien, il lui met 6 deny. Et le Axe qui est encore plutôt bien dans sa game. Ce qui est assez marrant, c'est surtout qu'ils ont. Ils ont envoyé GH là-haut avec son Rubik. Et ils ont laissé le sniper en bas. Donc ils ont juste rotate les P4, P5. Deuxième niveau shrapnel pour ce sniper. Bon, je sais pas quel est l'intérêt. Je pense que sniper était aussi bien haut pour aller casser la gueule du Axe. Mais en même temps, vu que le Axe ne fait pas de backdoor, Kuroki qui va se faire attraper, qui va TP out. Main Control qui va juste venir voler un peu de gold. Je pense que c'était peut-être parce que le sniper au top aurait push la lane en mettant des shrapnel sur Saberlight. Je sais pas trop en réalité. Ouais, je sais pas. Je pense que les deux sont très bien, mais. Ouais. C'est vrai qu'il prend très cher. Attention, il y a peut-être une télékinésie qui va être posée de la part de GH pour le ramener. C'est chose faite. Le call qui est lâché. Et Miracle, il a une lance. Ça va slow, mais c'est une lance niveau 1, hein, donc ça fait pas très mal. Ça va de la part du Axe. Miracle qui va probablement devoir salve. Ah là, ça y est, on a le Meepo qui farme comme un cochon là. Et c'est parti. Oh, Charlie qui prend cher au bot, est-ce qu'on peut le récupérer? Ouais, Kuroki qui va sûrement mourir. Ah ouais. Et Kuroki lui, par contre, il est safe. Il meurt pas. Hein. On va aller chercher les bounties de la part de Soneko. On a récupéré un kill sur le Rubik. Est-ce qu'on a le slow suffisant? Il va TP out. Sauf qu'il y a. Oh, il n'y a pas de. Oh la range! C'était chaud. Et il n'y avait pas assez de mana pour le Shuriken Toss, malheureusement, de main control. Et ce Razor, il farme pas bien. Hein. Il arrive pas à toucher beaucoup de place, il farme vraiment pas du tout. Saberlight qui est peut-être un peu en danger là-haut avec Miracle et GH qui lui courent dessus. Non, la télékinésie ne pourra pas être posée. On avait récupéré ce Rubik là-haut hein, d'ailleurs. Et il a pris deux niveaux de Shuriken Toss avec son Bounty Hunter pour ceux qui sont curieux. Ah ouais, ok. Il va se ramener une bottle. Ouais, je pense qu'il avait maxé Ginada aussi, mais pas du tout. Allez, on va peut-être essayer d'aller chercher le Meepo. Ouya, c'est un bon kill, c'est un très bon kill avec la reine qui va être posée. Oh. Alors, il a pris le mauvais malheureusement, mais ça devrait quand même passer. Ouais. Nice. Et il max vraiment Spear of Mars, hein. Même contre le Meepo. Et attention, Hera qui a une arcane. Oh bah. Elle est dure à rater celle-là quand même. En fait, il. Enfin. Il a rate dans le sens où il essaye juste de viler l'arbre et en espérant que ça prenne le phénix avec. Mais parce que s'il le met vraiment sur le phénix, il n'y a rien derrière pour le bloquer. Donc il essaye, on va dire, de la mettre un peu sur le haut pour que ça touche l'arbre en même temps. Et malheureusement, le phénix ne part pas dans la lance, donc marchera pas. Parce que sinon, ça ne changeait rien de toute façon.
Ouais, il voulait juste vraiment... empêcher de prendre l'arcane quoi. Non, je pense qu'il voulait tuer avec GH. Une contrôle qui va juste TP. Ouais. Il ferme tellement pas avec son Razor. Bon, il a des denies, il remonte un peu, mais... Bon, après, c'est ce Meepo, du coup, qui va prendre de l'espace. Ouais, voilà, le Meepo, il va... Il va farmer, on va laisser, évidemment, le Starlight au top. Et puis, On va pas pouvoir finir. On a son coursier. Là, je suis bourré. Miracle, et... il va trouver un Iron Talon là, il est content. Et on a rotate de la part de Main Control. Alors, je pense qu'on l'a vu arriver puisqu'il y a une Ward Sentry. Donc, je sais pas par où il est arrivé, mais à mon avis, on l'a vu arriver. Le Chicken. Le Chicken qui est posé. Il a posé une Ward au même moment. Je sais pas si elle a été vue parce qu'on a, on a quand même un peu la vision sur lui normalement. Avec son Bounty. Faut qu'il fasse gaffe parce qu'il est que niveau 4 quand même. Ouais, il la cancel. Allez, allez, il y a une arène qui est là. Ça va être compliqué pour ce Meepo de s'en sortir. Oh, quoi que. On va pas aller au bout. On a un peu peur. Mirak qui va venir mettre pas mal de dégâts à Ouya. Et Ouya qui va finir très très low en termes de points de vie. Et on peut pas aller au bout, évidemment. On a rien pour l'attraper actuellement. Et Charlie, là. Y'a rien à prendre. Bah ouais, recule. Hein. Ah, il a été vu Mind Control. Ah bah, y'a peut-être ça à prendre du coup. C'est une streak ça. Hein. Ouais, c'est une belle streak. 400 gold pour Charlie. Aïe aïe aïe. Alors, par contre, faut pas oublier qu'il y a un miracle qui farm. Hein. Ouais. Il y a un Meepo qui farm, mais il y a aussi un PL qui farm. Donc, il y a quand même des timings des deux côtés qui vont être assez importants. On fait pas du tout d'ailleurs pour le hack cette fois. On est parti plutôt sur Hood en premier objet. Et alors, je sais pas où est le sniper. Ça fait un peu de temps que je l'ai pas vu. Il était au mid, et là où est-ce qu'il est ? Il est toujours au mid, encore mid, ouais. Est-ce qu'il fait des stacks ? J'ai pas vu ce qu'il faisait. Il fait rien en tout cas, ça c'est sûr. Amène une wand. Allez Charlie, la lance qui va toucher de la part de Ouya. On n'a pas assez de mana j'ai l'impression aussi avec le bleu. Ça va passer avec son stick. Et Ouya qui va pouvoir reculer sans problème, quoique... Allez, le dot qui est posé de la part de Saberlight. On va en plus aggro les creeps juste derrière, mais ouais. Ça suffira clairement pas. On tourne pas du côté de ce axe. Et en termes de net worth, le Meepo il est très très haut. Très haut, alors Ouya nous fait aussi une très belle game. À venir récupérer des kills, il garde le niveau de farm. Miracle 3500, 3500 aussi pour le axe, 3003 pour le Razor. Et Mind Control un peu derrière, mais les deux supports de Enigma sont devant. Donc pour le moment c'est une game très équilibrée en net worth. Ah, c'est fou, hein, comme on voit ces kills, ces streaks qui rapportent tellement. Là. Miracle qui avait pratiquement le double de last hit. Bah, il a même plus du double de last hit par rapport au Razor. Et il a quand même pratiquement le même, même net worth grâce à ce kill. Il fait Miracle, il nous fait. Oh, il fait straight diffus, ok. Oh, attention, Mind Control et Wex sont peut-être en danger quand même là. Ouais. Alors, il a pris l'outpost, c'est-à-dire que c'est double outpost pour Enigma. Mais par contre, est-ce qu'on peut pas récupérer Mind Control pour ça ? Si. Complètement. Et il y a Miracle qui est là. Il y a Miracle qui est là, qui n'a pas sa diffus, qui est peut-être un peu en danger du coup. Ah oh, ouais. Ouh, bien joué la lance. Bien joué la lance. On a la reine dans 5 secondes. On va quand même perdre Miracle. Oh c'est dommage. Oh c'est dommage de perdre Miracle là-dessus. Ouais c'est bien ce move. Là. C'est dangereux d'aller tuer un Mars quand même, non? En plus il y a un sniper DD quand même. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et attends, ils vont perdre le Meepo. Alors malheureusement le focus c'était pas bon de la part de Kyokin, mais on va quand même récupérer ce Meepo. Et qu'est-ce qu'ils font Enigma? Mais ils vont le faire en plus, ouais, ils vont tuer. Allez, on va récupérer Hera, on va récupérer peut-être le Razor. Alors, il y a zéro dégâts sur ce sniper, mais il y a un ulti qui arrive d'ici une seconde. On peut mettre un ulti dans pas trop longtemps, on a malheureusement plus de shrapnel. Ah, il t'a vraiment pas fort avec ce sniper, mais il va quand même tuer. Il le défonce. Oh non. Non, Ouya qui loupe la lance. Kuroki Ouya à 2 contre 4 quoi. Rien à foutre. Et en plus c'est un kill du coup sur un Meepo qui était track. Oh les gold qu'ils ont gagné, oh ouais, 3000 de dégâts le sniper, pardon. Voilà, je suis vachement étonné des dégâts qu'il a fait, mais il a fait 3000.
Ah, il a mis 3 shrapnels, l'ulti, il était en DD. Oh la vache. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de dégâts sur cette teamfight. 3000 de dégâts, ok. Et effectivement, 500 gold pour Sniper et 500 pour le Bounty alors qu'il était mort assez tôt. Et le Bounty qui passe juste son temps à chasser le Meepo, ouais. C'est trop bien. Ouais, ça, c'est extrêmement frustrant pour ce Meepo. Hein. Radiant's top tower is under attack. Et du coup, il va déjà avoir une partie de son Naga. Peut-être qu'il va aller prendre un point booster. Oh, la smoke qui reveal sur Charlie Omid, on va mettre une belle arène. Ouais. Et ça va être un kill track. Oui, qui va le récupérer sur son God VP. Et sur le bas, Miracle a trouvé sa Burnite, pas du tout. On a un ulti qui a été cancel pour Kuroki, qui s'est ramené derrière son point booster. Main contrôle, attention, tu vas être sous une sentry. On a de la dust du côté des rats. Non. On voit pas, je suis assez étonné quand même. Parce ouais. Que. Il y a le Meepo pas loin quand même. Hein. Et en plus, il a deux niveaux d'Earthbind. Ouais, mais. Il avait peut-être pas la range, donc ils se sont peut-être dit que c'était trop juste. Il y a tellement pas de network ce Meepo. C'est terrible. Par contre, il va voir le Bounty, ouais. Radiant's middle tower is under attack. Excusez-moi. C'est vrai. Il a vu le. Mind Control qui a récupéré le coursier du axe. Par contre, GH il va probablement mourir. Est-ce qu'on peut contrer avec Ouya dans le coin? Non, on va louper le call. On avait trop peur de la lance. Donc GH safe. Mind Control qui va venir attaquer Hera. Qui va peut-être forcer le leg là-dessus. Hein. Bah ouais. Non, il le force pas. Sauf que. Ouais. Wow. Trop bien joué. Très bien joué de la part des deux. Alors on va tuer Mind Control. C'est bien joué, il a gros les creeps pour. Ouais, bon. Il a fait beaucoup d'espace Mind Control là-dessus. Ah, il joue vraiment très très bien sur ce. Oh, supprime les dégâts de GH avec Miracle derrière. Oh là là, et Kuroki qui récupère le kill sur son ulti. Mais mec, Kuroki c'est trop bien son sniper P5 pour le moment. Il a débloqué sur chacun de ses. On voit comment ça marche, mais il débloque. Vraiment. Ça n'a pas trop de sens, mais. Bah, en soi, avec le Mars, c'est pas mal du coup, avec l'arène, où il peut les mettre des shrapnel gratos et tout, mais bon. En tout cas, je préfère ça au Kling's P5. Franchement, c'est un peu plus intéressant. Quoi. Ah, moi, j'adorais les Kling's P5 quand l'ulti était un peu mieux. Ouais, l'ulti était mieux, mais là, les Kling's P5 refresher first. Oh là là. C'est trop bien. Et du coup, il avance carrément sur son Naga. Il a pratiquement la moitié, minute 14. Hein. Radiant are scanning. Ouais, alors il va se faire go. Peut-être pas. Ouais, il a la vision. Très bien joué. On a la diffus sur Miracle qui est arrivée, du coup. Parlier, en termes de network, il est pas bien. Et PL, il est Radiant's devant Meepo en network. Oh. Allez, Mind Control qui va se faire attraper. Et faut faire attention parce que Mind Control, à force de se balader, il va quand même. Il est en train de tomber très loin en XP. Ouais. Et il va aussi petit à petit tomber en Network. Cela dit, c'est vraiment prévu. J'ai l'impression qu'ils veulent juste mettre du Network sur ce sniper qui est niveau 9. Hein, et GH aussi. Mind Control, il est 7. Hein. Il est level 7. Donc c'est pour le moment, il se sacrifie complètement pour ces deux supports. Mind Control. Oui, puis tu vois, il fait un build. Il fait pas trop un build de corps. Il est en train de partir sur une petite vaisselle alors que. Ouais. Kuroki, ouais, bah voilà, il fait son Naga. On a GH qui a déjà un Netherlands. Oh, excusez-moi, j'ai loupé un kill sur le Axe qui est important. Ouya qui a révélé sa dagger, qui a mis l'arène. Et Miracle qui va venir récupérer le kill. Et effectivement. Ah, ouais, mais d'accord, on va. Attends, mais. Ah, non, mais d'accord, il est à ce point Mind Control. Il vient de filer sa beauté à la Kuroki. C'est-à-dire que vraiment. Vraiment, Mind Control is the new support et Kuroki va se faire go. D'ailleurs, là-haut. Ah ouais, mais il y a du backup. Il y a du backup, effectivement. Est-ce qu'on peut pas contrer, notamment sur Hera? Il a un egg, hein, Hera. Il va falloir. Oh ouais. Le snipe sur la lance, magnifique. Est-ce que c'est un track kill? J'ai pas vu s'il était track. Je crois pas. Je crois qu'il avait track le Razor et qu'il a pas eu le temps de le mettre. Mais je suis pas certain de moi. Et derrière, Mind Control qui va se faire go. Attention, Mind Control qui va mourir. À fourculer de la part d'Enigma là. Ouais. On sait pas, hein. Peut-être que Mind Control était pas loin de se faire kick et que sur cette game il est en train de dire à Kuroki, please let me. On ne sait pas. I wanna stay, bro, please. Pick me tide. Oh ouais! Oh ouais, non, mais c'est. Mec, mais les lances, il est multi-sniper!
Ah, c'est trop bien. Charlie, il a plus du tout de mana. Miracle qui essaye de le go. Le call qui va être coupé, malheureusement, de la part de sa belle. Là, le heal du Phoenix, c'est pas trop mal. Il y a un egg Phoenix, mais Charlie, il est en train d'exploser. Et allez, Saberlight, il va pouvoir prendre un ulti bientôt du sniper. Et en plus, on a le niveau 10 du sniper. On a mis une arène sur, sur ce Meepo. On a mis une arène sur ce Meepo. On va perdre le axe. Meepo qui TP pas, qui va TP out. Il n'y avait pas la lance, malheureusement. JPP, le sniper, il marche trop bien dans leur draft. Et au mid, il y a mind control. Oh, il y a mind control qui a trouvé le Meepo. Oh. Ouais. Et il va garder sa lance. Il va garder sa lance. Il a bien raison, Ouya. Oh, il va la mettre maintenant. Non, c'est nul. C'est nul comme lance. Et du coup, on va perdre mind control. Non, on va perdre son écho. On va perdre mind control. On ne sait pas trop. Ouais, l'ulti sniper, l'ulti Winter Event qui a été volé. Ouais, ça ne suffira pas. Ouya, le God Ray pour récupérer Winter Event, il arrive à Blink Out, on sait pas trop comment, 1 pour 1 du coup. Ah, Ouya, comme il est trop chaud là sur ses Blink avec son Mars. Ouais, contre, alors. Bon, il a loupé malheureusement la Winter Event, ouais, mais. Ouais. Le Meepo, pardon. Mais effectivement, il joue, il nous fait quand même une belle game. 300 gold avant la gars sur Kuroki. Oh là 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 là, j'ai tellement envie de voir ce que ça va donner. Et Ouya qui a trouvé Saberlight. Jura à les tuer. Il a fait pipe avant Blink. Voilà. Jura à les tuer, sauf qu'il y a E-Blade sur ce Meepo déjà. Ouais, alors c'est pas ouf quand même. Hein. Ça tank beaucoup avec la lance qui va être lâchée. Est-ce que vraiment on va au bout? Era, il va mourir, il a plus de mana. Il a plus de mana pour Egg. Et derrière la l'arène de Ouya qui va être posée. Attention, tu prends pas de dégâts. L'ulti sniper sur le Meepo pour terminer. Kiro qui fait récupérer le kill sur le shrapnel. On a perdu par contre. Le Mars, ça va donner pas mal d'argent à une Winter Weaver, c'est pas ouf. Et il y a la gars qui arrive, je pense. Ouais, la gars qui arrive pour le sniper. Ouais, bah c'est terrible quand même. C'est terrible pour Chicken Fighter ce qui se passe. On a un Meepo qui a pas de Networks, qui est pratiquement au niveau du A, et on a Miracle qui est en roulis, mais complète. Hein. Et ils vont récupérer Charlie encore. On a un beau call. Ah non, là c'est Miracle qui va y laisser sa killing spree. Ça c'est le défaut de Enigma. À chaque fois quand ils font des moves où ils sont bien, ils overextend mais n'importe ouais. Comment, sous une T2 où il y a tout le monde qui a envie, mais... Est-ce qu'il y a une autre sorte en préparation sur Chicken Fighter? Parce que c'est vraiment trop fort dans cette game. C'est trop fort. Tu peux renvoyer l'ulti sniper, tu peux envoyer plein de choses. Alors tu le renverras pas en aganim, mais tu le renvoies quand même. Oh, mind control, il se fait encore pigeon. Ouais, mais c'est le P5. C'est vrai, c'est vrai. Finalement, allez, paf. Ah, bien joué de la part de Supreme. Attention, Ouya. Non, mais ils ont une ward, les gars, vous le savez en plus. Mais il vient de se faire pigeon ici, hein, donc Ouya, par contre, t'as pas le droit, toi. Ah, ouais, tu fais énormément d'espace en ce début de game. Et du coup, Miracle, mais il est tellement bien en network. Bon, il a fait de la merde tout à l'heure, mais là, il est super bien. Il va nous faire une Sand Geniacha. Il va être ultra tanky ce PL. Ah, il va faire un PL tanky. Il a bien raison contre Meepo, contre Axe. Parce qu'il en a vraiment besoin. Paf. Tout seconde de stun. Et t'as vu là, du coup la rapidité de l'ulti. Enfin, ça accélère en fait le projectile qui est quand même ouais. Assez haut. En fait. Oh la reine! Oh la reine! Oh la reine pour essayer de sauver Mind Control, ça ne sauvera pas. Et la reine, du coup, elle est complètement. Bah, elle sert à rien. Ouais. Complètement waste. Après, ils avaient double outpost, du coup, ils le protègent, c'est bien, sur la minute 20. C'est bon que Clipdate soit passé à travers la reine. Je pensais que ça bloquait tous les projectiles. Mais. Pas les items, je crois, justement, ouais. On a Luan qui est arrivé sur Mind Control. Elle a récupéré sa bottle, quand même, c'était juste pour la DD, alors, ok. Il va faire Arcane avec, avec son sniper. Et là, il a son ulti toutes les 11 secondes. Avec du coup un stun qui dure 2 secondes à peu près. Mmh. Et niveau 18, c'est... Ouais, toutes les 5 secondes, il peut stun 2 secondes. Ouais, ok, d'accord. Je suis honnêtement pas persuadé du tout. Mais... Bah, surtout si ça avait été en AoE, ça aurait été intéressant. Mais là, ça reste du single target. Bon, on va voir. Exactement. Hein. Tu vois, s'ils avaient rajouté le stun sur l'ancien ulti. Eh, okay. Ah, ça aurait été trop fort mais quand là, même. Ouais, ça aurait été peut-être fort, mais là, honnêtement. Tu réduis là-haut, quoi. Je me dis que c'est peut-être beaucoup d'investissement. Sonneko pas grand-chose. Qui est bien placé pour casser la smoke et on va pouvoir le trouver. Faut pas le sauver. Leg juste derrière qui est posé. On va pas pouvoir. On va juste courir côté Enigma. Ouais, on va juste courir. Il y a une
Par contre, on va quand même récupérer. Oui, j'ai l'impression. Et mind control. C'est un bon qu'il faut, se casser. Voilà. Et le sniper, il va vraiment lentement. TP. Allez, tu me tires, Verne. On va récupérer une grosse trick aussi. C'est une grosse trick là. Ouais. 600 gold pour le micro. 600 gold. Et il est repassé top net horse avec un kill. Bon, 2 kills. Okay. 2 kills parce qu'il a, ouais, il a aussi récupéré Wea. On en parlait tout à l'heure, hein, dès que Enigma se sentent bien, ils overextendent un peu n'importe comment, bah c'est ce qu'ils ont fait, ils ont zéro vision, ils leur foncent dessus. Après c'est Oh, Stabberlight il va vite, il va choper, il va choper GH. Il va choper GH. GH qui va prolong mourir. Voilà, faut faire gaffe parce que du coup c'est le moment où Supreme peut accélérer avec ce Meepo qui est en train de se remettre bien, qui va aller faire rush. C'est bien qu'il rotate le farm entre Bounty et Sniper maintenant. Et que Bounty reprenne du network. Il a tellement pas de niveau, en plus il est niveau 8 sur son Bounty. Bah, il est mort. Ah non, le ok pardon, le Meepo est pas là. C'est vrai que le Meepo allait lui blink dessus mais absolument pas. Et quand ça le rush, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont eu peur? Ouais. Okay. Ils sont en plein sur une ward Axe et Razor. En plein sur une ward Axe et Razor. Quoi? What? Hein? Non, ça c'est fait. On a Miracle qui est dans le fight. Et ouais, mais il y a le Meepo qui est là. Il y a le Meepo qui est là. On va récupérer Wea. On lui a volé en plus beaucoup de dégâts. Attention, attention, le Axe, est-ce qu'on peut le terminer? J'ai pas l'impression. Miracle, il va mettre un peu de dégâts sur ce Razor. Ça ne suffit pas. On va venir enlever cette ward de la part de Soneko. On a bien raison. Par contre, il y a le sniper avec ses shrapnel qui fait pas mal de dégâts. Charlie qui va mourir sur cette petite sniper notamment. Petit Winter Reverend qui n'aura servi à rien. Je sais pas pourquoi il a été stun. Est-ce que parce qu'il a eu le temps de BKB sur la lance? Je trouve ça un peu bizarre quand même. Ou est-ce qu'il est passé à travers? Je trouve que la gale, on l'a vu, c'est pas incroyable, mais c'est intéressant pour aller chercher des stuns sur les personnes qui sont track pour finir les kills. Bon, c'est ce qu'on avait dit pendant le... Ah oui, quand même, il a fait 2860 de dégâts dans le fight. Mais bah, c'est Shrapnel fait... sur ouais, les il fait Meepo, super quoi. Mal sur Shrapnel, par contre. Ouais. Vraiment, ça, il fait très très mal sur Shrapnel. On va voir sur quel objet il part, mais... Enfin, là, en fait, tu vois, niveau 15, avec le 20% de ralentissement sur les Shrapnel... C'est vraiment pas mal, et avec le 32 DPS sur Shrapnel, t'as vraiment un sort qui fait ultra mal. Ouais. Parce que le mec Meepo, ça va l'emmerder. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Hmm. Et avec le évidemment le 25% de réduction de temps de recharge, tu l'as quand même assez régulièrement. Donc. J'aime bien le. Enfin. J'aime bien le build. J'aime bien le build, mais... Est-ce qu'un build clic droit, c'était pas mieux dans cette game avec le network qu'il a? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Oh. Mais par contre, je suis pas sûr de lui mettre autant de network, quoi. Tu vois. Ouais, c'est peut-être Over le Bounty. Et attention, est-ce qu'on peut essayer d'aider Wea? Pas du tout, il se fait complètement bolos par un Meepo. Supreme qui va récupérer le kill, GH qui va se faire call juste derrière et qui va lui aussi tomber. Et celui dont on parlait pas, et bah c'est Mind Control sur le bas. Qui est un peu scout, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il a track en tout cas le Bounty Hunter. Et là, bah, côté Enigma, on peut pas faire grand chose. On peut vraiment pas faire grand chose. Ouais, la frontline qui est le Mars fait vraiment des pop trop rapidement là. Ouais, c'est... on est dans le timing Meepo et vraiment on a pas de quoi le gérer. Vraiment pas. Et là, il va avoir du coup un free rush. Mais du coup, il est track donc on a l'info. Oh bah, Kuroki va aller mettre des petits shrapnel. Ouais, Mind Control il va un peu cancel ce. C'était ce Roshan en allant se suicider. Ouais. Et du coup, on sait qu'ils sont plus à Roshan, sauf que Kuroki va se faire attraper par Charlie. Allez, la lance qui va être posée. Est-ce qu'on a les dégâts pour tuer? On a un beau shrapnel hein, par contre, hein, qui empêche bien tout ça. On n'a pas d'ulti pour le moment de la part de Kuroki. On va pouvoir le mettre bientôt sur Charlie. Miracle. Allez, l'arène qui est posée. On a des shrapnels qui commencent à tick. Hein. On a des shrapnels qui commencent à tick. Là, avec Phoenix qui va être posé. On va stun le Razor, mais on ne pourra pas le tuer. Wea qui se fait encore bolos après son buyback. Et ça va être un gros dieback pour ce Mars. Ouais. On a volé leg, hein. On a volé leg sur GH là. Oh, what? Bah là, s'ils vont contester le rush. Mais il a leg GH. Bah ouais, mais tu veux en faire quoi? Et bah ouais, alors, effectivement, il y a un petit dieback de Wea qui est embêtant pour aller contest. Ouais, et surtout, tu te fais massacrer par le micro sur leg, je pense. Enfin. Ouais, sans leg, c'est dur à poser quoi. Mais par contre, s'ils ont pas l'info sur le prochain teamfight, ça peut être assez violent d'avoir une arène Mars ouais. Avec leg. Ouais, effectivement. Et le call qui va passer, qui va toucher Mind Control, c'est le post 5, hein, donc il va mourir. Enfin, il arrive à juke et il est invisible et il n'y a plus de dust. Eh, pas mal.
Ah, oh bah... Mais non. Oh, Vac, dommage, c'était très bien joué. Ouais. Oh, je pense qu'il y a un timing que Enigma va avoir d'ici 5-10 minutes, mais il faut réussir à les tenir parce que là, ce mi-po... Sur quoi tu crois très timing mal. Parce qu'honnêtement, je le vois pas, il y a le Butter certes qui arrive, mais... Ah, il fait Butter. Oh, j'aurais bien aimé qu'il fasse un item de tanking. Ça le fait tanker, Butter. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il leur faut un mec vraiment avec beaucoup de... Oh putain, un gros pool de HP devant pour aller... C'est quoi, Steg? Mais non... Je sais pas... Et derrière, il y a Kuroki qui s'est fait attraper par le Meepo. Pourquoi il a fait un egg? Il était safe, non? Je comprends pas. Ou alors il y avait le Meepo en dessous, donc je sais pas. J'ai pas compris. Il était mort 100%? Je comprends pas. Bon là je crois que Sigma a perdu, ils font n'importe quoi. Ils font vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est assez nul là comme ils jouent pour le coup. Et on a la Butter du coup qui est arrivée. Bon, on va voir si ça arrive à faire quoi que ce soit avec. On a une Silver Edge sur le Meepo. C'est ouf quand même qu'ils ont tellement bolossé ce Meepo et ils perdent deux fights et le Meepo est complètement en train de leur rouler dessus maintenant. Ouais, attention parce qu'il scoute en Silver Edge avec son Meepo. En fait, le truc, c'est que là, tant qu'il n'y a pas de BKB sur Mars, Mars peut pas fight. Ouais. Miracle, il est un peu seul et il peut pas poser ses dégâts. Le sniper, honnêtement, ça sert à rien. Vraiment, c'est bien, tu fais un stun sur un mec pendant 2 secondes, mais... Ah, c'est vraiment pas ouf. C'est tout, quoi. C'est un peu tout. En fait, je pense que c'est très fort quand t'es devant, quoi. Et il y a la Gaffe Phoenix. Bon. Et il y a la Gaffe Phoenix, alors là, il a combien? Il est à 11? 10, pardon. Ah, excusez-moi, j'ai loupé le kill sur Mind Control. Ah, il est à 18. Il est à combien Mind Control? Il est à 4-12. Wouah! Wouah! Il y a 20 morts dans son équipe. 25, pardon, il en a plus de la moitié. Un peu moins de la moitié. Putain, je suis bon, on m'a tout perdu. Et on va. Est-ce qu'on peut récupérer Saberlight? C'est pas une très bonne cible pour l'engage, ça, quand même, Saberlight. Hein. Ouais, surtout qu'on est dans le chez Winter Rivern, où il y a 4 jours pas de BKB qui va se faire complètement exploser, qui va mettre une arène, et puis bah, courez, hein. Courez. Ah, il est Link. Alors, il y a un ulti Winter Rivern qui a été très bien posé de la part de GH pour cancel la teamfight. Du coup, on devrait s'en sortir grâce à ça. On va se faire pigeon l'Enigma. Ils ont la vision. OTP. Je pense que ça va passer. On n'a rien pour cancel côté Razor. Oui, il a pas de TP, il lui manque 5 secondes. Ouais, mais il va pouvoir. Ah ouais, merde, il peut blink que dans 3 secondes. Il va falloir réussir à. Blink TP. Ouais, bien joué. Nice. C'est bien dodge de la part d'Enigma. Par contre, attention, le Meepo. Ah, il voit que c'est pas le vrai. Ah, le Meepo il est sous une sentry, mais ils ont pas la vision parce que là, s'ils peuvent tuer le Meepo, ce serait énorme. Ils vont pas le trouver. Pas le trouver. En train de faire ce qu'a dit. Il y a encore une sentry. On va pas voir le Meepo, sauf que le Meepo va trouver personne. Attention à. Un Kuroki, c'est bon, tu vas pas être vu. Mais une contrôle, il va encore mourir au top, JPP. Oh non, mais il est niveau 10, mais il est 30. 300 gold quand même à chaque fois qu'il meurt. Ouais, putain. Il est déjà mort 13 fois, quoi. Non, il est bottom netters, hein. Oh, le Meepo. Oh, par contre, le Meepo, attention, ça pourrait être un énorme kill. Ouais, mais attends, ils sont là. C'est dur à tuer quand même. Ah non, il est rien volé de la part de GH. Ouais, mais il fait 0 dégâts. Ouais, il fait 0 dégâts. Il va en mettre un mi-HP sans mana avec les îles UPL, mais pas grand intérêt, quoi. Bon, il va prolonger TP Fontaine, je pense, avec le nouveau principal, même pas. Faire l'Aegis, quand même. Il n'y a plus d'Aegis, ouais. Il n'y a plus d'Aegis. Ouais, il va TP Fontaine. Il va en TP un Fontaine. Après la GH, il va encore avoir le temps de lâcher une ulti Wyvern. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Il n'y a plus d'Aegis. On va vouloir smoke de la part d'Enigma. Il faudra attendre le C de la Winter Curse qui revient. Le truc, c'est que tu vois, depuis qu'il a sorti Aga avec son sniper, il a plus rien farm. Donc il est tombé vraiment derrière en network, ce qui est logique.
Et Mind Control, il l'a pas remplacé en Networks. Enfin, ouais, il ne farme pas, quoi. Et même c'est en XP, hein. Ouais, même en XP, ouais. Il a une urne, il a zéro charge. Il a même pas vaisselle d'ailleurs, il a toujours pas. Non, il a toujours pas terminé vaisselle, quoi. Mais est-ce qu'il peut être moins coursier? Non. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait juste de l'espace. Enfin, c'est sûr, mais il fait juste coup, de l'espace, quoi. Du coup, il y a trois supports, quoi, à côté de masse, ça peut marcher. Ouais. C'est vraiment pas ouf. Alors, GH a un peu de farm, ce qui est pratique parce qu'il a les Erlands Dagger et du coup, ça l'aide pas mal sur les teamfights pour aller voler l'ulti Winter Wyvern notamment. Radiant's courier has been killed. Ouais, il vient de récupérer 500 gold pour son équipe, c'est ok. Il peut faire sa taille, tour à pierre, miracle. Enfin, du moins, c'est ce qu'il a call pour le moment. Attention, bot, on se dirige vers GH. Zoneko qui arrive à trouver des belles engages avec sa Wyvern là pour le moment, on a lancé scout un peu sur les lanes. Oh GH! Oh GH! Oh! Winter Wyvern, il faut TP maintenant! Ouais? Oh là ouais. Oh, là là là! Il a trouvé, bien joué! Aïe aïe aïe! Mind Control en attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bah rien. Oh bah non, absolument. Je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Il est en train de scout un peu. Il attend des coursiers. Bah tiens, il va avoir un coursier. Ah bah non, il se barre juste au moment. Si. On a des Warden Smoke. Ah, putain. Ah ouais, il a... Super, quoi. Ouais, je. Ouais. Ah, je. Ouais, 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 ouais. Pas convaincu du move. Passe ton 12 au moins, putain. Ouais, mais super, il fait vaisselle, mais il a pas de charge, quoi. C'est bien beau de sortir vaisselle, mais si t'as pas de charge d'urne à ce moment-là. Il va. Soneko, est-ce qu'il va dust? Soneko niveau 16. Est-ce qu'il dust quand même? Est-ce que dans le vent il dust? Oh, j'aurais tellement aimé. Oh, j'aurais tellement aimé qu'il dust. Et ils sont en train de ping, regarde, ils pensent qu'il est là, ouais. Non, parce qu'il y avait Ouya qui a pris une vague de creep. Ah, ok, autant pour moi. Nigma, ils sont en train de gagner du temps. Juste pour Miracle, parce qu'actuellement c'est leur seule porte de sortie. Et Miracle, il annonce Tata into deep, là, donc. Ouais. Il va voir son Sata, il garde pas de buyback, je pense qu'il a raison de toute façon. Ouais. Un peu tout seul. Après, s'il a Sata, il va être sacrément, sacrément costaud, il va pas mourir sur un call du axe, sachant qu'il a déjà Sand Geniasha. Ouais. Il va faire une grosse status resistance, beaucoup de heal avec l'amplification de heal de la Sand Geniasha. Et s'il tombe sur une Paladin Sword, ce serait. Ah bah non, ils ont déjà les items. Ouais. J'ai même pas vu ce qu'il a. Il a pris quoi Il a Distance Sliver. Ok, Distance Sliver. Pas mal. C'est pas mal, ouais. Et il a Sata. Attends, il a combien en statut résistance là? Il a 53% status resist, il a 42% de magic resist et 64% de physical resist. Il est quand même tanky ce PL. Hein. Ouais, il est très tanky. Il y a tellement d'AE côté Chicken Fighters que. Bah, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que. Ouais. Le Meepo il le tank en auto-hit, mais Radiant's bottom tower is à côté de ça, attack. Il faut tanker Lee Blade, les Meepo, enfin les poufs. J'aurais tellement aimé que Kuroki là, il rotate complètement corps du coup. Peut-être faire un build pour défendre la high ground. Parce que là, à base honnêtement, de... il fait Greaves, je vois pas l'intérêt. Ouais, ouais. Avec un Meepo, avec un sniper, tu seras jamais en range pour mettre tes Greaves. Hein. Et là, on fait un X sur Supreme maintenant. On peut avoir une rune de la part de Mind Control. Oh, attention parce qu'il y a quand même un Meepo. Oh, Supreme, il a pas vu. Il s'est fait piller la bounty. Ouais, et il y a la roche qui est revenue. Ah, effectivement, il y a le BKB du Mars qui est arrivé. Ouais, BKB de Wea, ça fight là normalement, là tu les gars. Ouais, en plus on a l'info, on a un Meepo qui est track. Mais on peut pas aller le défendre ce roche. Il tombe vite. On n'était pas en place, je pense. Trop vite. Et attention, il y a une gemme sur Axe que j'avais pas vu. Ah ouais, en effet. Donc attention, Mind Control, tu vas peut-être commencer à mourir. Recommencer à mourir. À combien là, 4-13? 4-13. Ah, on a quand même Kuroki qui est en 6-2. Hein. Ouais, ouais, mais pour bon. Un P5. Hein. Oh, il faut que t'arrives encore maintenant. pour mettre des shrapnels absolument partout et des ultis tout le temps. Ah, pas mal ça, c'est mieux. Ouh, GHK, bah GHK est mort à mon avis. Ouh, il a plus Blink. Il a Blink, ok. Oh, Soneko, non.
Après, ils gagnent beaucoup de temps, les supports de Nigma. Hein. Chicken Fighters, c'est bien d'aller chercher les supports, mais ils prennent zéro bâtiment en attendant. Hein. Ouais, mais ils prennent du farm, est-ce que... Je sais pas, en vrai, le PL, il farm aussi, il remonte les lanes, il a bientôt son 25. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est ouais. Un peu le seul, tu vois. Ouais, alors ouais, que là, contre, alors que seul, là, le Razor a fini assez, il va bientôt avoir Radiance. Le Axe, il va bientôt avoir Crimson. Le Meepo, il peut acheter X. Et tu vois, au moment où il blink X, c'est... Ah, il vous manquait tellement de dégâts, quand même, j'ai l'impression. Enigma ? Enigma, ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Je vois pas trop... Allez, Doppelgank. Pour s'en sortir. Il y a une arène hein, qui peut arriver, mais évidemment, t'as pas envie de le mettre sur Meepo qui a la Aegis. Ouais, puis t'as un Aghanim Phoenix quand même derrière, donc ouais, tu peux aussi, avoir ouais. Un deck très agressif qui arrive. En plus, alors, malheureusement, c'est pas un Phoenix de level 18, mais ça ouais. Reste 10 charges quand même. Enfin, 10 attaques, pas évident. Oh, puis on a Cuirass sur Charlie avec un BKB. Bon, 6 secondes et un cheese. Ouais. Et on va aller en bas puisque le Reaper Kit a été mis mid. On quand même faire ce film. Faire attention, Miracle qui prend aussi pas mal de dégâts en AOE. Oh non, la lance, mais attends, il y a 4 Meepo, tu peux pas en avoir un là? Ouais, non, mais surtout qu'il était loin d'en avoir un. Il était vraiment très très loin d'en avoir un là pour le coup. Aïe aïe, oui, aïe, la trigonométrie, c'est terrible. Bon, après, ça tient quand même côté Enigma. S'ils arrivent à résister et que l'Aegis tombe, ça peut être ok, mais comme tu le disais, il y a que Miracle qui farm. Ouya, ben ouais, à part sa BKB, il va pas avoir grand chose. Il lui faut d'ailleurs, il lui faut. J'allais dire des os ou assez, mais en tout cas, il lui faut du dégât, oui. Hein. Ouais. Il lui faut pas du tanking, il lui faut du dégât pour espérer peut-être tomber un Meepo. Meepo qui va partir sur qui? Sur Kuroki. Est-ce qu'on peut sauver Kuroki? Je ne pense pas. Et derrière, le colon plus du axe qui va être volé, pas très intéressant. Oui, à BKB, arène. Juste derrière, on va mettre un code de but qui s'en fout complète. Meepo qui régène quand même largement assez. Alors, par contre, il peut pas sortir de l'arène, évidemment. Qui va pouvoir doppelgangot out, le call de GH sur le Meepo, c'est pas mal si on arrive à le tuer. On va lui mettre un petit coup d'E-Blade sur ce Meepo complètement perdu. Ouais. Et on va le récupérer, je pense, quoique le call du Axe est magnifique. Oh, l'œil du Phoenix qui est lâché derrière, on ne peut évidemment pas aller le tuer, c'est un Meepo hein, qui est dedans. Buyback de Kuroki. Oui, qui va probablement mourir là-dessus. Oui, il peut buyback, il va devoir buyback pour essayer de revenir. GH sur le haut qui va se faire courir dessus par un Meepo puisqu'il est call. Enfin, puisqu'il a call, pardon, finalement le call de GH, il a quand même beaucoup taffé. Ça ne tuera pas, il va mourir. Son écho qui va peut-être finir par tomber sur les coups de Miracle. C'est chose faite. Charlie aussi, il est très très lourd en termes de mana, donc il peut plus vraiment faire de dégâts. Il supprime sur le haut qui continue de massacrer. Il vient de massacrer d'ailleurs le Mars qui vient de dieback. Et on va refoncer sur Mind Control qui va mourir. Miracle, il est tout seul. Ah, il n'a plus de mana. Tout seul avec son PL. Il a un buyback si besoin. Dire's middle tower has fallen. Ouais, bah t'es tout seul, hein. Un peu embêtant quand même. On a une Radiance qui est arrivée sur Charlie. Oh, il l'a dans son backpack par contre. Ouais, Radiance backpack. Okay. Ah, il va la swap. On va prendre les mégas du coup de la part de Chicken Fighter, certainement. Miracle qui se fait voler en plus beaucoup de dégâts, donc en termes de. Ah, ils vont l'enchaîner, je pense, dans les filets. Il va Sata, il va se faire E-Blade, il peut plus régène, Doppelgang derrière. Le satanique est plus actif. Allez, le stun sur un des Meepo qui ne sert à rien. De la part de Kuroki, Mind Control qui va probablement mourir sur les autoshots. Oh, on va pas le terminer, pardon. Supreme qui va préférer reculer puisque Miracle a buyback. Il y a toujours l'Aegis, hein. Ah, il a toujours l'Aegis. Et il a un X en backpack aussi. Et pourquoi tu stun pas le Meepo? Mais ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là, Kuroki? Ah, du coup, ils vont. En fait, vu qu'il a Aegis, il se dit que c'est pas worse. On va. Il perd l'Aegis, ouais, oh, c'est parfait! Et le stun derrière de Kuroki pour récupérer le kill! Oh, le timing de Kuroki, on fait tellement parfait! Ça sert à rien le stun puisque l'Aegis drop! Oh là là! Qu'est-ce qu'on est médisant face à ce génie du Dota! Oh, le timing! Non, mais. Oh là là! Mais... Attends, est-ce que c'était fait exprès? Parce que si oui, c'est du génie. C'est fait exprès de la part de Kuroki! Et il va avoir un spell prisme sur son putain de sniper! Il a spell prisme? Bah attends, mais avec Octarine Core, mec! Bah ouais, il va avoir son ulti assez souvent là déjà. Il a les DPS sur le shrapnel? Est-ce que Enigma il se back là-dessus?
Oh, Illusion Escape, par contre, du côté de Chicken Fighters. Ouais. Bah, toujours CSK d'avance, quand même, côté Chicken Fighters. Honnêtement, Chicken Fighters, ils reviennent à 5 mid et ils finissent la game, mais... On se dit qu'il y a quand même presque un espoir, parce que... Ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais ils ont tous buyback. Je pense qu'il n'y a plus aucun buyback dispo côté Enigma. Ouais, s'il y en a un GH et un Mind Control. Ouais. Hop. Alors par contre Soneko, ouais, faut pas te faire pigeon. Et on a quand même Charlie qui a buyback, donc si on arrive à le faire dieback rapidement dans la fight. Ou oh, attention Soneko. Ouais non, faut pas que tu meurs Soneko. Oh, le dodge pour cancel le stun, bien joué. Oh là là. Bien joué Soneko. Curry per kit. Peut-être reculer quand même côté de Enigma. Radiant's bottom tower is under attack. Ouais mais go farm ta ton Octarine Core. Ouais, surtout que t'as buyback toi. Ouais donc en plus t'as même plus à économiser ton buyback. Tu t'en fous. On récupère quand même 2 T2 de la part de Enigma, c'est pas trop mal. Ouais, le Ninja Gear sur sur le PL. Il va pas le prendre. Oui, il a la rapière. Il a la rapière sur son PL. Par contre, attention, c'est dans le coursier, faudrait pas te faire pigeon. Ouais, le stun sur Soneko, sur le haut on a un call axe. Allez, Miracle avec Rapière. Enigma qui va peut-être réussir à le faire là-dessus. La reine qui est pas ouf, qui va peut-être permettre de récupérer Soneko. Charlie se fait défoncer. Soneko est mort, Charlie se fait effectivement défoncer. Attention Enigma, attention. Buyback de la part de Mind Control. Pour essayer de revenir, il y a un egg qui a été posé derrière, qui va être cancel. Le stun sur un demi-point avec Kuroki, est-ce qu'on peut réussir à le pigeon? On a une télékinésie derrière, attention, hein, il y a une divine sur Miracle, donc ça tape très fort. Le stun de Kuroki juste derrière. La lance, le juste derrière, c'est Prime qui va mourir. Oh là là, ce contrôle infini de la part de Kuroki. Ah génial. Incroyable. Il a combien de cooldown du coup? Il a 6 secondes de cooldown avec son spell prism en fait. Allez, toutes les 4 secondes, il met un... enfin en gros toutes les 6 secondes il met un stun de 2 secondes, donc il y a un downtime en gros de stun de 4 secondes. Ce qui est assez insane du coup. Allez, on a pas de buyback sur Soneko du coup. Et là, Miracle, t'as pas envie de le call parce qu'il te met des grosses patates avec sa rapière. Hein. Ouais mais attends, il a Blade Mail. Honnêtement, t'as envie de le call avec Blade Mail. Hein. Tu t'en fous si tu meurs, je pense. Il a un dieback hein. Ouais ok, avec le dieback il y a moyen. Ouais, il va acheter une Shadowblade, du coup il va aller contourner pour essayer de mettre... Je pense qu'il faut, ouais. il faut call ce PL Blade Mail et avoir le Meepo all-in dessus. Ils ont rien pour le sauver en fait. Donc à mon avis c'est le meilleur move à faire. Et là faut les rush. Je sais pas si ça passe mais... Oh, ils l'ont vu. Oh non. C'est un dieback en plus. C'est un dieback. Ah non, ça, il a un buyback, pardon. Il a un buyback. Oh, Ouya qui va mourir là-dessus. Et c'est un dieback de Ouya. Faut se casser pour Enigma, faut se casser. On va perdre le bounty, c'est ok. C'est ok de perdre le bounty. Ah, mais c'est un dieback aussi. Hein. Ouais, mais bon. Par contre, faut pas perdre Kuroki. On a une gemme. On a pas de gemme. Oh, et... Mais attends, mais il a perdu la gemme. Mind Control. Oh, c'est le. C'est Hera qui l'a récupéré, c'est pas le Axe. Oh, Kuroki, fais gaffe. Il est où? Ouais, il a croisé le... Ok, ils vont aller rush du coup. Il peut pas acheter... Il va l'avoir, il a Octarine. Oh oui. Alors attends, c'est tous les combien de temps du coup maintenant? Toutes les 4 secondes et demie. Il a un stun de 2 secondes. Génial. Alors, par contre, c'est dommage, on voit pas le... La récupération de Shrapnel en fait. Parce que c'est pareil, hein. Shrapnel il va l'avoir tout le temps là. Ouais, j'avoue. Mais y a pas marqué la réduction. Ah, c'est dommage. Durée 10. Et toutes les 2,7 secondes, il peut mettre une attaque de très loin. Aucun intérêt, mais voilà. Il peut. Ça, c'est trop bien là. Du coup, franchement, ils peuvent peut-être tenir ce lien. Ah, mais du coup, il y a eu un Naga qui est parti sur le Meepo. Et il a eu Illusion Escape en plus. Attention, faut attendre 10 secondes là. Oh non, sauvez-le. Non. Oh, on verra pas. Ils vont perdre la game avant 80 secondes. Et c'est combien de temps son bas? De toute façon, il a 10 de gold. Non, oh, c'est terrible. Oh, le snipe du sniper de Chicken Fighter. C'est terrible. À game Meepo, ça fait quoi? Ça fait un Meepo de plus. Ah, ils se sont fait pigeon là sur la vision. Ah, ils se sont fait complètement pigeon. Allez, Miracle, vous êtes dommage 4, de pas avoir War Sentry là-haut, hein. C'est quand même trop important. Mais... On va go Charlie du coup. Putain, il prend tellement cher. Ouais, Miracle prend très cher. Il y a une arène là-haut qui va bloquer un peu tout le monde. Miracle, il est tout seul. Par contre, attention, il s'est fait voler pas mal de dégâts. Il se
continue de se faire voler des dégâts, Miracle. Il est en BKB, donc il va falloir reculer maintenant parce qu'il va pouvoir se faire go. Il y a un Egg Phoenix sur le haut qui a touché personne, mais qui a obligé Enigma à désengage. Sur le bas, Miracle il décide de fight, alors que sur le haut, Mipo il va récupérer Ouya. Miracle, est-ce qu'on peut récupérer ce Razor? Pas du tout, il y a un glaçon qui va arriver, Miracle il est obligé de partir, il y a le Mipo qui va foncer sur qui? Sur GH, GH qui va mourir, pas de buyback non plus, il y a un buyback sur GH, Charlie qui va mourir par contre. Et Miracle y est tout seul, le call juste derrière, il n'y a pas la blade, même si la blade qui est activée, Miracle qui est en train d'exploser, il faut réussir à le sauver là-dessus, il a un satanic dans 10 secondes, il va se faire filer, il va mourir. Il va mourir là-dessus malheureusement, et le GG qui va... Dieback de Miracle et le GG qui va devoir être annoncé de la part de Enigma. Oh terrible. Ah c'est... Oh, attends, je suis mauvaise langue, on voit le sniper là. On voilà. Voit le sniper. Le call qui est lâché, est-ce qu'on peut défendre face à... avec Mind Control? Pas du tout. C'est nul à chier. Et le GG qui est lâché. Ah c'est dommage, ils ont un peu ils ont complètement scroll leur mid game. Plutôt Enigma, ils avaient fait un bon early où ils avaient bien maîtrisé ce Mipo, puis comme à leur habitude, bah, dès qu'ils sont bien dans la game, ils vont donner tout leur avantage à l'équipe adverse. Ah c'est dommage, putain, ils avaient réussi à faire marcher ce sniper, c'était quelque peu cocasse comme on dit, et puis bah derrière... 47 000 de dégâts le sniper de Kuroki, mon gars. Ouais, pas mal hein. Il fait plus que Miracle. Ah, il fait plus que le Mipo aussi hein. Tu fais plus que le Mipo. Ah, c'est le premier dégât. Ok. On est... Alors, je vous rappelle, moi, sur il y a quand même 4-5 ans, j'avais gagné 500 de MMR avec Sniper Mid. On va peut-être jouer Sniper P5. Hein, et se faire un ah ouais, bah là, là, c'est full legit, là. Moi, je pense que tu le piques en ligue, les yeux fermés, first pick. Hein. Oh là là. 1-1. Ah, Chicken Fighters, là... Putain, c'est ouf quand même ce Mipo qui a pris quand même un nerf, mais on avait dit que ça restait quand même fort. Et on voit à quel point c'est fort parce que dans ce patch, les remontées qu'il peut faire, on en cherchait juste une streak alors qu'il était super mal sur son Mipo. Genre avec Mipo, t'aimes bien jouer avec 2-3 cas d'avance très tôt dans la partie. Or là, il a eu le Pell qui l'a dominé bah, longtemps aussi. Il y avait Ouya qui était juste derrière lui. Et à partir de la minute 25, ils ont commencé à se row assez fortement quand même... Nos amis de Enigma qui avaient 5 cas d'avance, voire 7 cas d'avance, alors qu'il y a un Mipo après, en face. Tu vois, tu dis trop. Je suis pas entièrement d'accord parce que je trouve que leur draft très même machin et tout. Tain, il a volé 387 d'or Mind Control, hein, c'est insane, pas du tout. Ah, c'est nul. Je trouve que. Ouais, c'est nul, la fille. Je trouve que tu vois, à un moment, ok, tu sors la Gas Sniper, mais t'as tellement rien, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Je trouve pas qu'ils aient tant... Enfin, selon moi, c'est pas un throw, c'est juste que... Bah, quand Chicken Fighter décide de se regrouper avec un Mipo solide, comment tu les comptes côté Enigma, quoi? Surtout avec un Mind Control qui fait 6-17 et qui a absolument aucun impact dans cette game. Ouais, puis le Mipo, ils l'ont remis bien dans la game eux-mêmes en allant lui ouais, donner des kills, hein, donc c'est... Alors, c'est vrai qu'il y a la fight en bas, là, qui est un peu chelou. Oh là là, c'est un désastre. Hein. Ouais, où il redonne... Il donne sa strike Kuroki à 600 gold au Mipo qu'il remet top networks là, t'en avais parlé. Et Ouya aussi, je crois. Enfin ouais, non, c'est ouais, vraiment mauvais. Ouya et Sniper, et il fait mid gold sur la fight. Mais bon, tu vois, je pense que de toute façon, cette fight, de toute façon, ils peuvent pas vraiment l'empêcher, entre guillemets. Alors, ils peuvent l'empêcher en jouant moins, mais en même temps, ils ont tellement rien, quoi. Ouais, non, c'est ça manquait clairement de délire. Puis du coup, Mind Control qui nous a fait une belle phase de lane, un bel early game avec ce sniper qui bah, servit vraiment à rien. Hein. Attends, il a fait combien de dégâts? Il a fait 17k dégâts, il a fait 0 de dégâts au building. Comme tu disais, il a volé 387 gold à Jhinadah. Bon. Et tu vois, il a 47 lacets, c'est ridicule. Il aurait dû. Ouais. Enfin, tant qu'à mourir autant, eh ben, meurt en split pushant et en. Tu vois? Parce que là, il est mort en scoutant. C'est nul, quoi. Ah non, clairement, ça a servi à rien. C'était... Mais c'est dommage, parce que je trouve, encore une fois, que Enigma nous fait un bel early très agressif, très intéressant avec le BH, le sniper et Ouya, qui arrive à être très agressif, à trouver des kills. Et il commit, et bah, il donne tellement quand il meurt sur un fight que bah, derrière, ça se retourne contre eux, quoi. Il est mort 11 fois contre le Mipo Mind Control. Bah voilà ce qu'il l'a mis bien dans la game. Ah ouais, tu te rends compte? 11 fois contre le Mipo, il a donné tellement d'argent au Smipo, quoi, c'est terrible. On peut voir combien de gold il a donné... Non, je te dis n'importe quoi. Il est mort 6 fois contre le Mipo. Je regardais du mauvais côté, je suis trop con.
Ah oui, ok, ouais, 6 fois, ouais, c'est quand même... Bon, c'est quand même beaucoup. Mais je m'attendais à ce qu'il soit mort plus de fois contre le Mipo. 4 fois contre le Axe, 4 fois contre le Phoenix, 3 contre le Razor. Ah ouais, dommage, j'ai bien, vraiment bien aimé leur réponse à ce Mipo, mais ils l'ont vraiment massacré en early, c'était super bien joué. Mais à force de tout trop vouloir forcer, surtout forcer des kills, et pas de prise de bâtiment, pas de prise d'objectif derrière, et ben tu vas perdre un fight, perdre le contrôle map, perdre le Roshan, et tu perds tous les objectifs derrière. Et t'as, certes, t'as Miracle qui farm, mais il y a quand même de quoi gérer un PL derrière. Hein. Bon, petite page de pub, on se retrouve juste après pour du coup la dernière game, Nigma. Et face à l'élimination, puisque bah, on est dans les playoffs, hein, on n'est plus dans les group stage playoffs de l'ESL One Los Angeles Online. C'est le premier tour lower bracket et Enigma va peut-être se faire éliminer par Chicken Fighter. On suivra surtout beaucoup le draft, puisque Chicken Fighter n'a absolument rien changé à son draft à part le Meepo last pick. On va voir ce que ça donne dans cette troisième game. A tout de suite. To be brilliant.